mon niveau, j'entends juste après les exposés être outillé par rapport à l'interaction ou la collaboration entre les élus que nous sommes, le conseil exécutif et la population, c'est surtout en épinglant les responsabilités de la société civile. Moi, je verrai à ce que nous soyons outillés sur ce que nous pouvons faire. J'ai besoin, en tant que membre de la société civile, comprendre les attributions de ces conseillers communaux. Les petits conflits qui existent entre les conseils et les collèges effectifs, comment nous allons nous comporter entre ces deux institutions. Il s'est ouvert ce mercredi 7 août 2024 dans la salle de réunion Krong, un atelier de renforcement des capacités de deux jours à l'intention des conseillers communaux de la ville de Kananga au Kasaï Central. Des assises qui rentrent dans le cadre du projet Action des citoyens pour la transparence des élections et qui sont organisées par le Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement Krong, Kasaï et Kasaï Central. Près de 50 conseillers communaux et acteurs de la société civile sont outillés durant deux jours, soit du 7 au 8 août 2024, sur les missions et les attributions de conseillers. Pour le secrétaire exécutif de Krong, Kasaï et Kasaï Central, ceci est une réponse à la demande des conseillers lors de la tribune populaire récemment organisée. L'atelier que nous organisons ce jour, c'est d'abord une réponse à une demande formulée par les conseillers communaux eux-mêmes. À l'occasion d'une tribune de soutien populaire que nous avons tenue il y a peu, pour exprimer le besoin d'être formés, d'être renforcés dans les décisions de leur mission, en disant que depuis qu'ils ont été élus, les choses n'ont pas encore du tout évolué. Donc, ils ont besoin de ces renforcements pour bien comprendre leur rôle, leur mission, comment s'y prendre. Naturellement, nous attendons à un renforcement de leurs capacités pour qu'ils exercent efficacement leur mission de conseiller des communes, qu'ils arrivent à jouer un rôle positif, donc qu'on sente que leur présence a contribué à améliorer la gestion de nos communes. Et non pas verser dans les conflits de compétences, dans les empiétements des attributions des uns envers les autres. Le ministre provincial de l'Intérieur, qui a lancé ses travaux, a félicité le Krong pour l'organisation. Je dois lui rappeler à votre particulière attention que cette formation se tient au moment où nous attendons tous la finalisation du processus de décentralisation, gage du développement à la base, et ce, dans le but du son. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de féliciter de vive voix le Conseil régional des organisations non gouvernementales de développement, comme ainsi, ainsi que ses partenaires de l'Union européenne, pour ce coup de pouce dans l'appui et le renforcement de ses acteurs de la gouvernance locale. Maître Alain Lukusampoy exhorte les autres organisations à emboîter les pas. Puisse le Krong et toutes les organisations de la société civile servir des centres de proposition et des partenaires crédibles du gouvernement provincial pour la consolidation de la paix et la bonne gouvernance dans nos ETD pour le développement de la province du Kasaï Central. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des conseillers communaux de la ville de Kananga. Je dis et je vous remercie. Signalons que cette formation est organisée grâce à l'appui financier de l'Union européenne à travers INADES et va se clôturer ce jeudi 8 août 2024.